Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. En ce lundi 30 décembre, j'ai une résolution à vous proposer. Méditez ta parole, Seigneur. Et c'est notre thème du jour, ça tombe bien. Bonjour à tous. Bonjour, Evelyne. Alors maintenant, dans Bonjour chez vous, les autres années, en fin d'année, on disait, bon, les résolutions, quelles sont les bonnes résolutions à prendre, en donnant des conseils pour bien prendre les résolutions. Mais cette année, on impose des résolutions. Exactement. Voilà, on est dictatoriaux. Un petit peu. Ouais. C'est bien. Ça va, Omer? Il me regarde avec des grands yeux. Mince, je suis sur le plateau d'une dictatrice. Bon retour parmi nous, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas eu. Oui, merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça va super bien. Il y a plein de gens qui sont super contents. Ouais, Omer est de retour, parce qu'Omer est un chroniqueur très apprécié, il faut le dire, il faut le dire. Et un mari très apprécié. Oh, c'est beau. Ça, on ne sait pas. Je vais revenir alors. Aujourd'hui, donc, on va parler de cette importance de méditer la parole de Dieu. Et peut-être que certains d'entre vous, en 2019, vous avez fait votre petit bilan, puis vous vous dites « j'ai un petit peu délaissé la parole de Dieu cette année ». Eh bien, en 2020, allez, on prend des bonnes résolutions et on commence à méditer la parole de Dieu avec un peu plus de rigueur, un peu plus de discipline, et on va voir que ça vaut la peine. Mm-hmm. Et je me tourne d'abord vers Anne. Vous avez changé vos places. Vous voyez comme j'ai mes petites habitudes, hein. Anne, oui. Tu es de ce côté, tu vas répondre à une question. Donc, oui. Pasteur, j'ai une question. Tu veux que je te la lise ou tu... Non, c'est Claudia du Maroc qui nous demande, et je ne sais plus la question. Est-ce utile d'utiliser des programmes de lecture biblique? Alors, on va regarder ça ensemble. Si en ce début d'année, il faut se dire tous les jours, je vais suivre mon petit plan, ou pas, si on fait du freestyle. Ouais, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Nadine, tu nous présentes un livre de la semaine dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, mais je trouvais qu'on n'en avait pas assez parlé. Exactement, un livre de la semaine qui était un coup de cœur, ouais. Mais le coup de cœur était vraiment un réel coup de cœur, et c'est un livre de la semaine. C'est le commentaire biblique contemporain, c'est un commentaire en un seul volume écrit par 70 théologiens africains. Et un très bel outil si on veut méditer la parole de Dieu de façon plus sérieuse et plus approfondie. Ce commentaire va vraiment aider et je vais en parler tout à l'heure. Génial. Et Aurélie, on finira l'émission avec un beau témoignage. Oui, un témoignage d'une jeune femme qui est passée de terrorisée parce que elle avait peur du monde des ténèbres à une femme qui aujourd'hui terrorise l'enfer. Wow. Belle intro, Aurélie, bravo. Bravo. Donc Omer, on va commencer tout de suite cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors, le titre de la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est « Choisis la bonne part, médite la parole de Dieu en 2020 ». La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Parfois, nous pensons que nous avons besoin de beaucoup de choses pour vivre. En fait, la plupart des choses pour lesquelles nous pensons que nous avons besoin pour vivre sont des choses accessoires, ce qui est nécessaire. C'est la parole de Dieu qui est la base et la fondation de toute chose et à partir de laquelle Dieu peut créer toute chose dans notre vie. Et en début d'année, beaucoup de gens prennent des résolutions. Maigrir. Ah, j'ai failli dire grossir. Pour ben certains. Oui. Moi, c'est ma résolution. Voilà. Voyager, immigrer, avoir une promotion au travail. Et la plupart de nos résolutions sont bonnes, mais ce sont des résolutions accessoires. La résolution qu'il faut prendre cette année ici, c'est la part qui ne nous sera pas arrachée, c'est méditer la parole de Dieu. Amen. Et il y a quatre bienfaits qu'il y a lorsque nous méditons la parole de Dieu. Le premier, c'est que choisir de méditer la parole de Dieu est la bonne part, parce que c'est la part qui ne nous sera jamais arrachée. La parole qui rentre en nous, l'ennemi ne peut jamais nous l'arracher. Un texte qu'on a médité, à la différence d'un texte qu'on a lu, ce texte-là reste en nous. Et donc, il devient une force à partir de laquelle je peux maintenant faire face aux difficultés de la vie au travers de laquelle je peux combattre. Numéro 2, lorsque je choisis de méditer la parole de Dieu, c'est que je choisis de m'appuyer sur Dieu et de dépendre de Dieu. Souvent, nous disons de nos bouches que nous dépendons de Dieu, mais dans nos actions et dans nos pensées, nous ne dépendons pas de Dieu. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 et 6, c'est un de mes textes préférés d'ailleurs, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Et donc, le texte de Proverbe nous parle de quelques difficultés que nous avons. Le premier, c'est de se confier en l'Éternel. Et le même texte en anglais dit « to lean on him », ça veut dire de se laisser complètement appuyer totalement sur lui dans nos décisions, dans nos actions. Une année vient avec tellement de choses, mais si Dieu est l'appui, la fondation, eh bien nous partons l'année en force. Ensuite, la deuxième des choses que la Bible dit, c'est que quand nous méditons la parole de Dieu, nous avons la capacité de reconnaître Dieu dans les circonstances de tous les jours. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous servons Dieu, un Dieu dont j'ai l'habitude de dire, il est mystérieux, mais ses voix aussi sont mystérieuses. Oui. Tantôt, il va nous parler par un enfant, tantôt, il va nous parler par un pasteur, parfois, il peut nous parler par un événement. Et pour reconnaître Dieu dans toutes nos voies, nous avons besoin d'apprendre à méditer la parole, parce que au travers de la méditation de la parole, on va apprendre à reconnaître non seulement la voix de Dieu, mais on va apprendre à connaître les voies de Dieu. Au lieu de connaître simplement les actions de Dieu, on va connaître les voies de Dieu. Troisièmement, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous développons la sagesse et l'intelligence divine. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14, en parlant du roi, il dit « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. » Ça veut dire que lorsque je médite la parole de Dieu, il y a un échange que Dieu fait. Dieu enlève ma sagesse, mon intelligence et tranquillement, c'est comme si je commence à réfléchir à l'échelle de Dieu. Je commence à réfléchir, à avoir les pensées de Dieu parce que la méditation de la parole de Dieu fait que la parole devient comme une nourriture, de la même façon que je veux manger du bœuf et avoir les vitamines de ce bœuf ou de ce poulet que j'ai mangé, eh bien de la même façon que la parole de Dieu va le faire pour moi. Et troisièmement, méditer la parole de Dieu nous amène à réussir dans toutes nos entreprises. Pourquoi réussir dans toutes nos entreprises? Parce que quand on a la pensée de Dieu, bien on entreprend les projets de Dieu et Dieu fait toujours réussir ses projets. Amen. Et donc, je n'ai pas des faux projets que Satan m'a mis, des projets que je fais pour pouvoir faire la compétition à mon voisin, mais je suis vraiment axé dans les projets de ma destinée et Dieu fait toujours réussir ce qu'il entreprend. Et Psaume chapitre 1, le verset 2 à 3, parle de cet homme qui médite, il dit, qui médite la parole, il dit, mais cet homme-là trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et ce que j'aime. Et ça va même au-delà des gens qui combattent peut-être un message de la réussite totale. La Bible dit elle-même tout ce qu'il fait. Le réussit. Je souhaite à quelqu'un que tout ce que vous allez faire en 2020 puisse vous réussir alors que vous vous consacrez à méditer la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Je reçois. Toi aussi tu reçois, Nadine. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui est le psaume 119 au verset 130 qui nous dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me considère comme quelqu'un qui manque d'expérience et je pense qu'on va en manquer toute notre vie. Et le fait d'avoir la révélation, pour avoir une révélation de la parole de Dieu, il faut la connaître, il faut la méditer, il faut la creuser, il faut soupirer après elle, désirer comprendre les profondeurs de ce qui est écrit. C'est pas juste un texte, on le sait, on l'appelle la parole de Dieu. C'est pas un livre comme les autres, la Bible, c'est un texte qui est vivant et qui est tellement actuel. On a déjà fait des émissions où on parlait de cette actualité de la Bible qui a été actuelle il y a des milliers d'années et qui est actuelle encore aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire avec la Bible. Et recevoir cette révélation va nous éclairer, va nous donner la sagesse, l'intelligence dont on a besoin. Et je crois que on soupire tous après ça dans notre vie, dans notre quotidien en plus, qui est tellement, on a tellement de défis, de challenges, d'épreuves, d'embûches sur notre route. Avoir une révélation de la parole de Dieu pour être armé, pour être prêt à affronter tout ça, c'est indispensable. Tu veux ajouter quelque chose? Quand je vois ces versets, la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence. Et là, on parle de la méditation de la parole de Dieu, mais j'ai envie de dire aux gens que tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est corps de métier a un langage. Comme un médecin, il va utiliser le langage médical pour parler. Un avocat, il va utiliser le langage des juristes pour parler. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a aussi un langage que le Saint-Esprit utilise pour nous parler. Et ce langage, c'est la parole de Dieu. Et ça,
Alors qu'on plonge nos regards au niveau de la parole et qu'on la médite, on a cette révélation qui vient nous éclairer parce qu'on comprend ce langage, en fait, qui est le langage divin. Parce qu'il y a un langage divin. Qu'on parle de promesses, les promesses de Dieu, ce n'est pas les promesses comme le monde l'entend. Mmh. Il y a un langage spécifique qui est divin. Et lorsqu'on choisit justement de méditer la parole, mais on s'ouvre à cette révélation, on s'ouvre au langage du Saint-Esprit. Amen, amen. Et Omer, pour commencer, je pense que c'est important de distinguer lecture de la Bible et méditation de la Bible. C'est quoi cette différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Ben en fait, avant que je réponde à ça, je vais continuer sur ce que Aurélie a dit. C'est très profond. Parce qu'en fait, le langage d'un corps de métier nous permet d'être reconnus par nos pères. Mm-hmm. Donc, quand le chrétien développe la méditation et qu'il a le langage du royaume, il est reconnu au ciel. Même Satan le respecte. Mm-hmm. Deuxièmement, ça te permet d'être obéi lorsque tu donnes une instruction. Mm-hmm. Pourquoi? C'est parce que tu es ce langage-là est en toi, donc tu adoptes automatiquement le code d'éthique. Mmh. Donc, maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui, on vit dans une société de surinformation. Et malheureusement, la surinformation est entrée même dans l'Église. On est surchargé de messages au point que les chrétiens aujourd'hui ne lisent même pas la Bible. Mmh. Ils passent leur temps à jongler d'un prédicateur préféré à un autre. Mmh. Mais la méditation de la parole de Dieu, c'est une affaire personnelle d'abord. Mm-hmm. Alors, la lecture de la parole, c'est quand nous lisons simplement pour avoir de l'information générale. Mm-hmm. Je lis le livre de la Genèse, je sais bon, qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Jacob, etc. Maintenant, lorsque je rentre dans le domaine de la méditation de la parole, c'est là que je vais prendre un morceau et vouloir disséquer le morceau à la lumière de ce que le Saint-Esprit veut m'éclairer. Donc, le terme méditer, d'abord dans le psaume 119, verset 148, le psalmiste dit « Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Mmh. » La méditation de la parole, elle nous coûte du temps. C'est du temps qu'on doit mettre à part. Oui. Dans toutes nos occupations, on doit mettre du temps à part. Ouais. Et le psalmiste nous indique vraiment qu'il faut mieux méditer la parole quand on est frais. Ah oui. Que de venir à la fin de la journée, on est fatigué, on a la pensée de nos enfants, de nos patrons, de beaucoup de choses. Alors, il faut prendre ce temps quand on est frais pour que vraiment on est dans les meilleures dispositions, dans la mesure du possible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pour méditer, ça coûte du temps et ça prend une discipline de mettre ce temps à part et de s'asseoir avec sa Bible. Mon épouse me connaît, je suis le spécialiste des crayons de couleur. J'ai des Bibles dans lesquelles j'écris, voilà. Pourquoi? Parce que je dois méditer, pas pour aller prêcher, mais méditer d'abord pour moi, oui. Pour que je puisse être nourri, pour que je puisse grandir. Donc méditer, en fait, le mot hébreu pour lequel on a le mot méditer veut dire communier avec, converser intimement, parler, se plaindre, réfléchir, chanter. Mm-hmm. C'est toutes des actions et le docteur Mario Massicotte a toujours l'habitude, en utilisant même le terme méditer, il dit c'est comme une vache qui doit manger, rumine, il reste tranquille, puis à un moment donné, il remonte ça, il rumine encore. Mmh. Donc, quand on dit, par exemple, Adam connut Ève, ben, le mot qui est utilisé pour connaître, c'est une connaissance dans l'intimité. Mmh. Alors, ça me permet de pouvoir comprendre alors le texte beaucoup plus profondement, sans que j'ai besoin de nécessairement de connaître le grec, mais le Saint-Esprit peut aussi m'éclairer, sans connaître l'hébreu, le Saint-Esprit peut m'éclairer, mais la méditation de la parole, c'est ce qui produit des vrais disciples, c'est ce qui produit des chrétiens forts. Mmh. La lecture, simplement, c'est juste une acquisition d'informations. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des informations sur Dieu, mais n'ont qu'une connaissance de Dieu parce qu'ils n'ont jamais pris le temps dans l'intimité de la méditation. Tout à fait. Et je pense même en hébreu, si, il me semble me souvenir, faudrait que je vérifie, mais c'est le verbe haga, et c'est en fait, on l'utilise aussi pour dire murmurer. Mm-hmm, donc oui. En fait, tu... Mm-hmm. Puis c'est vrai que ben, le peuple juif avait cette habitude-là, puis ils l'ont encore d'ailleurs à la parole de Dieu, ils la récitent, ils la murmurent. Mm-hmm. Donc c'est ça, il faut que ça descende dans le cœur, parce que si ça reste juste dans l'intelligence, ça ne produit pas de fruits. Tout à fait. Et ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont méditer plus facilement en réécoutant de l'audio. On écoute le verset, puis on le réécoute, puis on le réécoute, puis on réalise ce qu'il veut dire pour soi, on réalise ce que l'Esprit est en train de nous dire. Il y en a d'autres, c'est par écrit. Moi, il faut que j'écrive. Mmh. Alors, j'ai mon cahier,
Et en fait, depuis des années, je fais ça, j'ai dû recopier la Bible en entier. Je pense que... j'écris, ce qui fait que je peux pas lire des gros passages quand je lis ma Bible le matin, parce que en fait, je la mâche, hein, comme vous disiez, Homer, je vais la mastiquer. Mais je réécris les passages. Et puis là, dans mon cahier, je souligne, je note, je fais des flèches, des dessins. Parce que ma Bible, j'aime bien regarder. En fait, nous sommes dans le même club. Il y a la traduction. La traduction Anverso, c'est ça. Non, mais c'est important en fait de faire ça parce que c'est comme, et je crois que c'est l'essence de cette émission, c'est de dire en fait, méditer la parole du Seigneur, c'est pas juste au-delà des techniques qu'on va utiliser, le but final c'est que ça rentre en nous et que ça dépose quelque chose en nous. Et je crois qu'année après année, on rencontre des défis. En début d'année, il y a plein de situations qui peuvent arriver dans l'année, mais ce qui va faire la différence, c'est dans l'exemple qu'Aurélie a cité par exemple d'un médecin. Ben, les autres médecins vont reconnaître qu'il est réellement un médecin parce que quand il parle, il va avoir ses termes médicaux, il saura quoi faire, un juriste, de la même manière. Et nous, devant les situations de la vie, ben, c'est quand on va parler, en fait, c'est notre fond qui va ressortir. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui se limitent à la lecture superficielle de la parole, mais ne comprennent pas, en fait, que plus tu passes du temps dans cette parole, et des fois, ça a l'air peut-être sec au début, ça n'a pas l'air de... Et c'est pour ça qu'on se fatigue rapidement, on se lasse rapidement et on court dans des vidéos. Mais vraiment, je vous encourage à le faire parce qu'au fur et à mesure que tu vas le faire, il y a quelque chose qui est déposé en toi. Oui. Et c'est quand tu vas arriver devant une situation que tu vas réagir, ce qui va réagir, ça va être la parole de Dieu. De la même manière, un médecin va arriver devant une situation, ben, ce qui va réagir, c'est sa connaissance médicale. Il ne va pas sortir n'importe quoi parce qu'il va reconnaître dans cette situation quelque chose qu'il avait déjà appris et il saura réagir par rapport à ça. Mm-hmm. Et de la même manière, nous, quand nous allons vivre des choses dans la vie, on va pouvoir parler par rapport à ce que Dieu a dit, rapport à ce que la parole nous a révélé. Donc devant cette situation, oh non, mon Dieu dit ceci. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir traverser dans la vie. Donc c'est hyper important, c'est la meilleure résolution. Maigrir, voyager, tout ça, c'est bien. Vraiment, méditons la parole de Dieu. On peut maigrir en voyageant tout en Yes. Quand tu médites la parole, tu vas découvrir, par exemple, que Dieu n'aime pas la gloutonnerie. Oui. Et là, ça va t'aider à maigrir. On peut. J'aimerais, en fait, pour les gens que nos frères et sœurs qui nous écoutent, si on donnait un exemple. Oui. Voilà, je vais donner un exemple, en fait, d'une technique que le Seigneur m'a donnée en méditant la parole. Mm-hmm. Vraiment très simple. On va prendre Jean 3, 16, parce que c'est le texte connu de tout le monde. Tout à fait. Car Dieu attend. Si vous ne connaissez pas Jean 3, 16, là, on est. Au problème. Manquer de méditation, là, les amis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que. Le sang d'humilité. Voilà. Alors, t'es prêt pour le quiz? Dieu t'a parlé. Tu dois faire le quiz. Alors, vous voyez, lorsque, par exemple, moi, je lis, parce qu'on se demande toujours les gens, ah, mais comment un pasteur va méditer? Oui. Vraiment très simple. Lorsque je médite, ben, je vais. Bon, c'est quand je lis le texte, mon œil est frappé par des mots. Mm-hmm. Et je souligne les mots importants. Mm-hmm. Tout le reste, je l'élimine. Mm-hmm. Et c'est comme si soudainement, il y a des mots qui sortent. Alors, quand je lis « Dieu a tant aimé le monde », alors, moi, je lis « Dieu aime le monde mm-hmm. ». Donc, tout le reste, je l'élimine. Mm-hmm. Vous voyez ? Alors, en l'éliminant, je commence à me poser une série de questions. Mm-hmm. Y a-t-il un exemple à suivre ? Alors là, je me dis « Mais je suis un enfant de Dieu. Mon Père céleste aime le monde. Mm-hmm. Donc, je dois aimer le monde. Mm-hmm. » Ce qui m'amène à un sujet de prière. Mm-hmm. « Seigneur, est-ce que dans mon cœur, il y a des gens que je n'aime pas mm-hmm. ?» Ben oui. Donne-moi de l'amour pour eux, mm-hmm. mais que je puisse aimer de ton amour. Mm-hmm. Maintenant, on peut aller dans des prières plus profondes. Donne-moi des situations où je vais manifester l'amour. Mm-hmm. Vous voyez, donc, juste en soulignant, il y a des choses qui ressortent. Et donc, maintenant, la méditation me guide dans la prière active pour mettre en pratique ce que j'ai appris. Maintenant, en faisant ça, ben, je me pose une question. Y a-t-il quelque chose auquel j'ai besoin de me repentir? Mm-hmm. Ah oui, mon voisin, sa neige est tombée sur moi. Et ça me pose des situations de parler en langue rapide, tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux me repentir. Si pourquoi? Vous nous écoutez, voisin d'Omer. Parce que je dois manifester l'amour. Ouais. Y a-t-il quelque chose pour lequel je dois remercier Dieu et le louer? Vous voyez, il y a une série de questions comme ça que je me pose. Oui, je le remercie parce qu'il m'a aimé, parce que je n'étais pas aimable. Oui. Je le remercie parce qu'il m'a donné son Fils unique. Ben oui. Et souvent, lorsqu'on devient des chrétiens qui avons grandi, souvent, on oublie de remercier Dieu pour les choses simples. Merci pour le salut. Mm-hmm. Merci parce que tu m'as aimé.
voyez? Alors, je remercie Dieu pour ça, mais en même temps aussi, je le remercie aussi pour les preuves d'amour que j'ai déjà manifestées, parce que ce n'est pas vrai que j'haïs tout le monde. Il y a des gens que j'aime, il y a des gens que j'ai appris à aimer malgré qu'ils sont difficiles. Alors, en soulignant, c'est que je me pose une question, et là, je peux demander maintenant à Dieu, « Seigneur, montre-moi des gens à qui tu veux que je manifeste l'amour. Comment tu veux que je manifeste cet amour ?» Vous allez voir, à mon nez, une idée va juste germer en vous. Vous allez rentrer chez vous, peut-être dans votre garde-robe, vous allez voir une paire de chaussures, puis la même paire de chaussures que vous étiez quasiment en train d'adorer, vous avez juste, elle ne vous plaît plus. Mais quand vous voyez quelqu'un, vous avez comme envie de lui donner. C'est Dieu qui vous dit « manifester l'amour ». Donc, en méditant, l'important ici, c'est juste... Parfois, la façon simple, c'est aller avec des mots-clés ou des actions et à partir de là, revenir au Seigneur. J'ai eu peur une seconde, j'ai cru qu'en ouvrant le placard, vous trouviez le voisin qui a... J'ai eu un petit moment de perplexité. Oh là là. Ce que j'aime bien dans ce que vous dites, tous les deux, Omer et Nazine, c'est qu'on voit que la méditation de la parole de Dieu... produit la mise en pratique, en fait. Oui. Mais une mise en pratique qui n'est pas forcée, mais qui est spontanée. Parce qu'en fait, c'est tellement descendu, la parole est tellement descendue dans le cœur, que, comme j'aime bien ton exemple de médecin, hein, mais on sait comment réagir, à quel moment. On sait quand Dieu nous parle. Tu disais dans ta pensée, on apprend à reconnaître quand Dieu nous parle, la voix de Dieu. Parce que quand on médite la parole, finalement, on se repasse les choses que Dieu a à nous dire et veut nous transmettre, en fait. C'est comme si on réentendait une cassette... audio, une cassette, oui, parce que ça, je suis des années 80, moi. Un MP3 de Dieu qui a des choses à nous dire, qui nous donne ses instructions, qui nous partage son cœur et on se le répète. Et en faisant ça, comme la parole nous dit, la parole est un miroir. Donc, il y a des choses qui vont sortir, il y a des applications qu'on va justement faire qui vont enlever ces choses-là. Mais moi, je veux aussi encourager les gens à ne pas aller trop vite. Pasteur Omer l'a aussi dit. Il y a des versets qui vont en ouvrir d'autres, en fait. Il y a des choses qu'on va lire, on ne sera pas obligé de continuer dans ce qu'on a lu, mais ça va ouvrir d'autres champs. Il va falloir chercher dans un autre verset, par exemple. Donc, on ne se prive pas de ça, parce que parfois, on veut bloquer à un verset ou à un chapitre, qu'on ne se prive pas de ça, mais qu'on prenne le temps de s'arrêter quand on médite, si ça ouvre une autre porte, mais qu'on aille dans cette porte-là, on va méditer, et comme ça, ça va mieux rentrer aussi à l'intérieur de nous. Et ne vous attendez pas, à chaque fois que vous êtes assis devant votre Bible, là, c'est la révélation magnifique. Parfois, vous allez lire, puis c'est stérile. Mais c'est parfois dans la journée, pendant qu'on est en train de faire autre chose, c'est comme si le Seigneur maintenant dit, oh, au fait, tu avais lu ça le matin, là maintenant je vais t'expliquer pourquoi tu l'avais lu et je vais te montrer comment l'appliquer. Et je pense que c'est important qu'on ne fasse pas une certaine méditation ésotérique où on cherche absolument le mot-clé, le sens hébraïque. Parce que là, on risque de déformer. Voilà, là, le sens hébraïque, non, là, elle est vraiment simple. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous éclaire aussi lorsque nous lisons la parole. Et parfois, il ne va pas nous parler directement, parfois, il va mettre une circonstance où il va dire, ah, au fait, tu avais lu sur l'amour. Ben voici le temps d'appliquer l'amour. Voilà, et nous sommes appelés à appliquer à ce moment-là ce que nous avons médité. Tout à fait. Et comme on est en fin d'année, on va peut-être justement avoir envie d'utiliser des programmes de lecture. Et Anne, je me tourne vers toi, c'est une question de Claudia du Maroc, mais c'est une question qu'on peut tous se poser. Certains, on a déjà utilisé des plans de lecture, des programmes de lecture, ça dépend. Mais Anne, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'il ne faut pas le faire, carrément? Je sais qu'il y en a... C'est mal. Il y en a, ils prennent leur Bible, ils ouvrent au hasard et ils lisent à la page. Alors bon, Seigneur, ça... parle-moi. Parle-moi. Judas Allah se prend. Qui est pensé? Moi, j'ai un film. Excusez. Il est prêt pour le quiz? Il est prêt pour le quiz, excuse-moi. C'est une méthode, mais je ne pense pas que ce soit à long terme quelque chose d'utile pour vraiment assimiler la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il faut se servir d'un programme? Il faut qu'on connaisse les Écritures. Hein. Pasteur Omer l'a dit, il faut qu'on connaisse les Écritures. Il y a pas, les messages qu'on écoute ne remplacent pas. Hein. Et je vais quand même vous rappeler ce que Paul a dit à Timothée. Il a dit, dès ton enfance, tu connais, il y a d'autres versions qui disent, connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le psaume 119 aussi nous dit au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc on ne peut pas concevoir de vivre sa vie chrétienne sans connaître la parole de Dieu. Oui.
Et c'est pas en l'ouvrant au hasard le 36 de chaque mois qu'on va apprendre à la connaître, ok? Mmh. Et puis c'est pas non plus en lisant les versets sur Instagram qu'on va apprendre à la connaître. Mmh. Amen. Voilà, parce que j'aime beaucoup regarder, je mets des likes. Oui. Like, mais si like, on like, est-ce qu'on le médite? Mais... Non, ben oui, parce que bon, tu lis un verset sur Instagram, puis bah, mmh. tu dis, tu ne peux dire qu'amen. Mmh. Donc tu mets... oui. Mais ça ne remplace pas la méditation. Mais non, mmh. Et pour la méditer, il faut un peu de méthode, surtout si on est un peu brouillon. Il y a des gens qui sont extrêmement disciplinés, qui vont réussir spontanément à se faire un programme de lecture. Je sais qu'il y a ma deuxième fille, elle est très disciplinée, elle n'a pas besoin de programme de lecture. Tous les matins, depuis des années, elle lit sa Bible et puis c'est systématique. Et en un an, pile, elle fait tout le tour. Wow. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, on n'est pas, tous Suisses. Donc, Ouais, je suis Suisse, c'est pas comme ça. Mais ça peut être très intimidant, parce que la Bible, c'est un gros livre, et puis même, c'est plusieurs livres, on le sait, hein, c'est toute une bibliothèque, hein, c'est pas ah un oui, livre. Donc, par où je commence, qu'est-ce que je lis, combien je lis, est-ce que je lis plusieurs versions parallèles, on n'en sait rien. Est-ce que c'est je lis un peu dans l'ancien, un peu dans le nouveau, hein, il y a différentes méthodes. Et il y a différentes méthodes, comme tu le dis, et c'est nécessaire de s'établir une routine, et c'est là que les programmes de lecture de la Bible sont très intéressants, oui. Parce que plutôt que de te creuser les méninges pour te trouver ta propre routine, ils vont te donner une routine qui est déjà faite. Il y a des gens qui se sont creusés les méninges à ta place. Mmh. Et ça peut prendre plusieurs formes, et je trouve qu'il y en a pour chaque goût et chaque disponibilité et chaque niveau d'évolution aussi. Mmh. Tu peux lire, alors il y a des programmes de Bible en un an, hein, ça c'est les plus connus, hein, oui. On lit la Bible en un an, mais il y en a aussi la Bible en 5 ans, mmh. Et on a la Bible en 3 ans. Il y en a, c'est le Nouveau Testament, les psaumes en un an. Mmh. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Alors, la Bible en un an, c'est le plus, c'est ce qu'on mm-hmm. connaît le plus. Je sais que ma belle-mère l'avait, mais je sais pas s'il existe en français, en anglais. Les livres sont déjà, les passages sont déjà dans le bon ordre. C'est-à-dire que tu lis pas ta Bible en cherchant les versets. Mm-hmm. Tu lis 1er janvier, puis t'as les deux textes du 1er janvier. Mm-hmm. Le 2 janvier et les deux textes du 2 janvier. Okay. Et au bout du compte, t'as lu toute la Bible, mais les textes sont remis dans le bon ordre. Et je trouve ça génial. Mm-hmm. C'est The One Year Bible, mais je sais pas si ça a été fait en français aussi. Maintenant, tu as des plans de lecture sur papier. Je sais que dans mon église, au début de l'année, on en distribue. Et c'est juste les références de versets. Et tu as une petite coche chaque jour. Puis ouais. Tu sais qu'au bout de l'année, bah, tu as tout lu. Puis s'il y a des jours où tu as manqué, bah, tu vois tout de suite si tu n'as pas coché, tu retournes les lire. Mm-hmm. Ça, c'est très bien. C'est la version vraiment basique. Maintenant, je voulais l'amener aujourd'hui. Et puis finalement, j'y ai pas pensé. Mais c'est la Ligue pour la lecture de la Bible oui, qui fait d'excellents supports d'accompagnement de la lecture de la Bible. Et entre autres, il y a sa parole pour aujourd'hui qui est vraiment super. Pas sa parole pour aujourd'hui, voyons. Oh, le titre m'échappe. La bonne semence. Le pain du jour. Et alors, il y en a plusieurs, oui. Il y a le pain du jour aussi. En tout cas, le titre va me revenir. Ah, oh, zut. Et donc, tu as un petit encart en haut pour donner justement ton plan de lecture de la Bible en un an. Mm-hmm. Mais tu as aussi une référence à chaque jour. Et là, c'est la Bible en 5 ans. Et si tu suis ce plan de lecture-là, tu as aussi un petit commentaire avec une question. Mmh. Donc, tu en as pour tous les niveaux, des grands débutants, moyens, avancés. Mmh. Et puis, tu as vraiment de quoi réfléchir. Et même à la fin, tu as des pages en gris où tu peux réfléchir en groupe sur les passages de la semaine. Ça peut être intéressant de le faire en groupe. Mmh. Puis aussi, tu as des applications. Ben là, j'ai mon téléphone portable. Et sur le téléphone portable, il y a des applications qui sont très bien faites. Oui. Il y a l'application chez Olive Tree, que vous connaissez peut-être. Donc, il y a les Bibles en français avec des plans de lecture. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, Olive Tree. Il y a aussi Holy Bible. Ça, c'est YouVersion. Mm-hmm. Et là, il y a aussi des versions en français. Mm-hmm. Il y a aussi sur le Top Chrétien, dans Top Bible, il y a des trucs vraiment bien. T'as la Bible en 3 ans, t'as la Bible en 1 an, t'as la Bible chronologique, t'as le Nouveau Testament et Psaume en 1 an. Donc, il y en a vraiment mm-hmm. pour tous les goûts. Mm-hmm. Et puis, sur EMCI TV, mm-hmm. c'est là où moi, je vais beaucoup me référer, il y a la Bible lue. Et moi, ce que j'aime beaucoup, je disais tout à l'heure, quand je médite, ben, je lis, j'écris. Mais ce que j'aime énormément, c'est réécouter les passages que j'ai lus. Mm-hmm. Parce qu'en audio, tu les vois, enfin, tu les vois, ouais, tu les captes. Oui, oui. Tu les captes c'est sous une autre forme. Vrai, hein, ouais. Et ça ancre et ça te fait voir d'autres facettes. Mm-hmm. Donc, si tu as médité le passage le matin, moi, j'aime énormément. Pendant que je fais un peu de sport et je regarde la Bible en vidéo et ça relie les passages que j'ai écoutés le matin ou la Bible audio quand je suis dans la voiture. Dans la voiture, c'est très pratique. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire sans? Ben, tout le monde peut s'essayer à faire sans, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on lit toujours les passages qu'on préfère. Mm-hmm. Et il y a des passages entiers de la Bible qu'on ne lira jamais mm-hmm. parce que ça ne nous tente pas d'aller lire dans Habacuc ou dans je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Mais il faut, oui, dans Ézéchiel, mais il faut les lire parce que Dieu a de bonnes choses partout. Alors, même dans les Lévitiques. Dans le Lévitique. Donc, si on n'est pas discipliné,
Oui. Alors, je dirais, comme dirait souvent mon mari, est-ce qu'un programme est utile? Oui et non. Oui, plutôt. Et puis non, si vous êtes très avancé, très discipliné et depuis 20 ans dans le Seigneur, en faisant tous les jours votre lecture sans déroger. Merci, Jonathan. Elle le fait très bien. Donc, hein. Oui. Oui, pour 99% de la population. Merci Anne. Si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj1question@emcitv.com. On enchaîne maintenant avec donc notre livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. emciboutique.com. Alors, comme je disais en début d'émission, aujourd'hui on présente un coup de cœur, très très coup de cœur, c'est le commentaire. C'est le tien, ce commentaire. Celui-là, c'est le mien. Oh. C'est Anne m'en avait parlé, c'est vraiment un coup de cœur que Anne m'a partagé il y a quelques mois. Et je l'ai commandé à la librairie chrétienne près de... à Longueuil, en tout cas, bref, je l'ai acheté. À Longueuil, pour tous ceux de Côte d'Ivoire qui connaissent Longueuil, bien entendu. Bon, soit, il est disponible sur emciboutique.com, c'est voilà, ça qui est important. Ça, c'est plus facile. Commentaire biblique contemporain, un commentaire en un seul volume, écrit par 70 théologiens africains. C'est sous la direction de Dr Tokunbo Adeyemo. Et vraiment, ce commentaire est merveilleux. Alors qu'on parle de la méditation de la parole, alors qu'on parle des grands débutants, comme tu as dit, des moyens, des avancées, un commentaire biblique est toujours important parce que ça nous permet juste d'éclairer un petit peu notre pensée, parce que c'est des théologiens. Donc, ils mettent ça dans des mots qui sont accessibles et c'est juste un outil d'accompagnement, en fait, dans notre méditation de la parole. Ça ne remplace pas la lecture de la Bible. Bien de le dire, oui. Ça vient juste appuyer, encadrer, nous soutenir un peu ce qu'on vient de lire et nous le partager. Et vraiment, dans le conseil, dans le commentaire biblique ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent aussi une façon de comprendre. En fait, dis-je veux savoir qui a écrit tel livre, quand et pourquoi. Donc, ça explique l'origine un petit peu du livre et tout ça. Ça te donne le contexte. Et ça t'aide même si jamais tu veux préparer une étude biblique, tu veux préparer un sermon dans ton groupe vie. Tu sais, tu parlais des programmes d'études bibliques et tout ça. Ça peut t'aider pour ton groupe maison, des fêtes, des gens, ou juste un partage, le culte familial à la maison. Ben, ça te donne aussi ils expliquent bien les principes d'interprétation, le sommaire, l'idée de référence et tout ça. Et quand tu ne comprends pas un verset, dans le commentaire biblique aussi, ça vient t'expliquer le verset. Si jamais tu veux savoir sur un sujet particulier, il y a aussi, c'est aussi mis par sujet. Donc, tu peux aussi aller chercher selon le sujet. Qu'est-ce que dit la Bible des dettes? Tu peux aller lire là-dessus. Et vraiment, c'est vraiment bien. Et puis, c'est pas écrit dans un langage trop compliqué. Ils écrivent, c'est vraiment écrit de façon très, très accessible. Exemple, les dettes. Je viens de parler des dettes. Tu vois, ils ont, c'est dans le commentaire ici, tu vois, ils ont tous les versets et puis chaque verset, ça explique le verset. Et puis après, ils ont un petit encart. Et là, par exemple, on va parler des dettes. Et ils disent, ben aujourd'hui, et ce que j'aime, c'est parce qu'ils parlent de façon très contemporaine. Mm-hmm. C'est le commentaire contemporain. Donc, ils vont dire, aujourd'hui, c'est vrai que les dettes sont devenues, ça fait partie de la société quasiment des fois, surtout même ici en Occident. Il faut quasiment que tu aies eu des dettes pour estimer ta solvabilité, ta cote de crédit. Si tu n'as jamais eu de dette, tu n'as jamais eu de carte de crédit. Attention, c'est comme à ton micro. C'est comme si on ne peut pas t'emprunter. Mmh. Mais donc, c'est rentré dans notre façon de raisonner. Mais qu'est-ce que dit la Bible, tu vois? Qu'on ne doit pas devoir, que si on prend une dette, on doit être en mesure de la rembourser. Tu sais, on voit la parabole dans Matthieu, l'histoire dans Matthieu qui est rapportée. Et qu'en fait aussi, ça nous amène aussi, nous chrétiens, à se dire, ben, quand on s'endette, parce qu'il y a des choses dont on doit s'endetter, par exemple, une voiture, une maison, mais on ne s'endette pas à l'excès, on prend ce qu'on n'est pas capable de rembourser, on est dans du surendettement. Donc, tu vois, ça vient quand même expliquer avec plusieurs versets qui viennent appuyer ça. Donc, ça te donne aussi une réflexion sur la vie de tous les jours, sur certaines choses. Moi, j'aime énormément, je lis, et ça se lit très bien. Des fois, t'es pas vraiment en train de faire une recherche quelconque, mais tu le lis juste pour le lire. Moi, je trouve ça sympa. C'est très bien. Il y a des proverbes africains. Il y a des proverbes africains, c'est très bien. Je trouve que c'est valorisant aussi. Ouais. Il y a vraiment une grande richesse en Afrique. Je sais que Anne, la dernière fois, elle est allée au Togo, puis ton mari avait fait une cérémonie de doctorat et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de théologiens, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Théologiens évangéliques. Hein. Ouais. Et ça fait que c'est très, très bien. Et ça valorise aussi ces théologiens-là. Donc, on le recommande très fortement. Il est disponible sur emciboutique.com. Puis de toute l'Afrique. Hein. Ça vient de toute l'Afrique, est, ouest, partout. Mm-hmm.
C'est super, merci beaucoup Nadine. Un commentaire biblique, c'est important, mais il faut un bon commentaire biblique. Ouais. Donc là, apparemment, c'est testé, approuvé. Donc ça, c'est bien, parce qu'il y a toutes sortes de commentaires bibliques, de toutes sortes de mouvements. Il faut faire attention de ne pas lire n'importe quel commentaire biblique, parce que ça peut nous pousser à une interprétation différente de la parole. Mais c'est très équilibré. Donc, c'est ça. En tout cas, de tout ce que j'ai pu lire dedans, il n'y avait rien qui m'a choquée. Si Anne l'approuve, c'est validé. Merci beaucoup, Nadine. On enchaîne avec la rubrique témoignage. Aurélie, nous t'écoutons. Oui, oui, c'est cette dame dont je vous ai parlé en début d'émission qui nous a envoyé quelques lignes, mais vraiment des lignes qui racontent une très, très, très bonne histoire avec le Seigneur. Elle dit, ben, la série sur la peur avec le pasteur Mamadou Karambiri m'a véritablement fait du bien car je souffrais de peur. En fait, oui, Jérémy dans l'émission Prière Inspirée, donc Jérémy Souril a fait une émission avec le pasteur Karambiri qui concernait les peurs. Et pendant les 5 émissions, ils ont fait toute une série de 5 émissions. Mmh. Et ils ont détaillé vraiment la peur par rapport à différentes choses. Et elle, elle a écouté cette série et elle, elle avait peur du noir. Elle n'arrivait pas à dormir toute seule. Elle avait peur des esprits mauvais. Mmh. Donc, ses nuits étaient, vous imaginez, terribles. Mmh. Parce qu'elle était tout le temps dans la peur. Et en fait, elle dit qu'elle a écouté cette série et voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis délivrée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et la série a scellé cette restauration de mes pensées. En fait, elle a découvert c'est quoi son identité alors qu'elle écoutait cette série, ses peurs se sont tout simplement envolées. Elle a découvert aussi qu'elle avait une autorité en Christ, en fait. Et elle nous précise qu'elle n'hésite pas du tout à la manifester. Donc, dès l'instant où elle sent peut-être une oppression, dès qu'elle sent quelque chose qui ne va pas, mais elle manifeste son autorité. Et aujourd'hui, elle passe de très, très belles nuits par la grâce de Dieu. Elle arrive à dormir toute seule, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Mm-hmm. Et bien sûr, elle est restée connectée à nos émissions. Et elle a reçu également le baptême du Saint-Esprit. Mm. Et elle parle régulièrement en langue, que c'est vraiment agréable et merveilleux. C'est comme ça qu'elle termine son témoignage. Et c'est vrai, on rend gloire à Dieu. Mm-hmm. C'est vraiment puissant. C'est quelques lignes, mais vous imaginez toutes les années qu'elle a vécues dans la peur. Et là, avec quelques émissions, ben, le Seigneur a permis que tout ça soit envolé. Donc, rend gloire à Dieu pour tout ça. Amen, amen, c'est merveilleux. On avait le pasteur Stéphane Cady qui est venu il y a quelques semaines nous voir, hein, qui avait fait une rubrique « Pasteur, j'ai une question » où il répondait justement à cette question par rapport à la peur des mauvais esprits. Et si vous avez vous-même ce genre de peur, des angoisses nocturnes, des terreurs par rapport au monde spirituel diabolique, vous pouvez aller écouter ça sur mcitv.com. Vous allez dans le replay, vous choisissez bonjour chez vous et vous faites une petite recherche très simple, ça va aller très vite. Mais ça vaut la peine de ne pas subir ce genre de peur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et en méditant notre parole de Dieu, on peut le découvrir, on peut savoir quelle est notre autorité, quelle est notre identité d'enfant de Dieu et à quel point Satan doit nous être soumis et pas l'inverse. Et c'est important. Donc on veut vous encourager cette année, prenez cette résolution, méditez la parole de Dieu, la meilleure des résolutions que vous pouvez prendre. Et on l'a dit, hein, vous pouvez maigrir même en méditant la parole de Dieu, c'est compatible. Pendant que vous lisez, vous ne mangerez pas de chocolat normalement. Hein. Ça tâche les pages de la Bible, je vous le déconseille. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas bien. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et on se retrouve demain, 31 décembre, dernier jour de l'année. On vous réserve une très belle émission. Nous aurons comme thème que tes regrets de l'année passée ne soient pas ceux de l'année prochaine. On va tirer un trait sur 2019 et certains d'entre vous dites « Alléluia !» Et nous aurons avec toi, Mère, une rubrique famille en 2020 investie dans la vie de tes enfants. Je pense que ça, c'est aussi une belle résolution. Vous pouvez la mettre en numéro 2 dans votre liste. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.